Et midi, on est sur un circuit automobile. Ah, regarde là-bas, tiens, j'avais pas vu. On va arroser toute la journée. Le truc classique, quoi. Aujourd'hui, on est au circuit de Chennevières et on va drifter sur le circuit arrosé. C'est la première fois de la vie qu'on peut faire ça. Salut, c'est Plume Noire et je vous présente ma voiture. Alors aujourd'hui, vous pouvez regarder qu'on a gardé les pneus de Folembray. Hein, les vieux pneus, on les a pas changés, on va voir s'ils vont éclater ou s'ils vont tenir toute la journée. Et moi je suis la voix off. Si, en fait, grâce à Arnaud, le nouveau directeur, qui m'a permis d'organiser une journée glisse sur piste arrosée. Normalement aujourd'hui on a 11-12 voitures, pour une fois on autorise l'interdit, tout simplement parce que tout le monde est d'accord sur ce qu'il va faire, tout le monde va faire de la glisse. Je vous souhaite un bon roulage et puis on va essayer de tous s'amuser sur cette belle journée. On va voir ce que ça donne. Prenez du plaisir, je suis content qu'on puisse organiser ça. Ah, il y a le sonomètre, putain, j'avais oublié ça. Il y avait des petites zones de sec, du coup là je fais un dernier tour vite fait tant que c'est bien mouillé pour tester et je fonce les changer là. Allons-y. Tiens. Alors allons-y. Les pneus ils sont éclatés. On va essayer de pas les tuer sur le sec. Attention, il arrive. Thank you.
Il a rien, il est tout neuf. Ah bah le oui, 4 saisons. Nouveau style d'adhérence, ça va n'importe où. J'arrive pas à lever assez haut. Attention, on risque de se péter la gueule. C'est pour ça que je disais, mon cric à moi. Et voilà. Ce qu'on va faire, on va lever qu'un côté après l'autre, ça sera plus facile. La date des pneus, 27-2002. Ça, c'est du bon millésime. Non, celui-là, il n'y a pas de cale. Oh, ah oui, c'est pour ça que ça bougeait un petit peu. Il bougeait un petit peu, l'arrière, il faisait comme ça, là. Il n'est pas tout à fait mort. Voilà. Et pourquoi mettre des cales? Bah, rien, ça, c'est juste pour faire beau. Là, on s'en fout parce que, de toute façon, ça glisse. Elle est survireuse à 250%. Tu mets des cales ou pas, ça fera que 240%. Esthétiquement juste, hein. J'aime pas quand t'as un train avant tout large comme ça, avec des pneus comme ça. Et à l'arrière, les chiens là, qui ont les grosses pattes à l'avant et rien à l'arrière. Là. La jauge de gasoil, elle indique 15, là. Je sais pas si tu vois. 15 litres à partir de là, moi je déjauge. Parce qu'il va y avoir une pompe qui marche pas. Et si je mets trop de gasoil, ça déborde. Donc on peut faire que des sessions avec 20-30 litres max à chaque fois. Donc ta voiture c'est une mytho, c'est pas une essence, c'est une gasoil alors. J'espère que c'est pas. Non, c'est bon. On est avec Marc, Marc Ritzman, Rénov Meubles Créange. Rénov Meubles. Un peu de pub. Ah, sympa ton levier de vitesse. C'est pas un levier de vitesse, ça. Et c'est pour mieux voir de côté. Mais là, on va tester les pneus neufs. Hein. 27-2002. Oh, non, mais glisse bien. Ça va, glisse. Ils sont formidables. Ah, c'est pour voir sur le côté. Oui, voilà. À peu près, quand tu pars à l'envers et que tu reviens droit.
arrosé. Mais c'est le premier ici, parce que d'habitude, on n'a pas le droit de drifter sur ce circuit-là. Oui, oui. Encore une nouvelle session, cette fois, avec Alex, le musicien. Un dernier mot avant de mourir. Un café, s'il vous plaît. Café pour le Real. C'est parti. En plus, direct. C'est un bon voyage. Pilote en plus, alors je sais que ça va y aller, c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est que c'est sur circuit. Du coup, ah oui. Ouais, mais vas-y. Bienvenue dans ma drift car. Oui, c'est arrosé.
contrôler la glisse quand tu es au freinage. Tu sais, quand je suis au freinage, si je suis que sur le frein, les quatre roues sont efficaces, alors ça freine fort, tu vois, même si je suis en travers, parce qu'elles sont toujours en train de tourner. Et là, quand je bloque, hop, je rallonge, ça glisse plus loin. Donc si j'ai freiné trop tôt, ce qui est sécuritaire, tu vois, je peux toujours rallonger en trichant. Chaque fois que tu peux en faire ça, c'est on est trop tôt, on est pas assez vite. Ça accroche bien et là ça glisse à mort ici quand t'arrives là. C'est un piège pour l'anticiper. C'est du sacré pilotage en vrai. Je vois de toute façon les gestes et tout ça. Tu t'attendais à tes petites glissouilles comme t'étais l'air. Ah non, t'es fou, je savais. Ouh, on a glissé. Et on rentre au stand comme un animal docile. Il y a des voitures qui grognent et il y en a d'autres qui ronronnent. Allez, avec Philou, avec monsieur Raveur 57. Ah merde, la batterie. Essaye de démarrer. Mais c'est pas la batterie qui fait ça. Vas-y, voir. Bon, bah y'a plus nos gueules parce qu'il y a plus de batterie là. Ça te rappelle des souvenirs avec la CRX ou quoi? Ah oui. Ah. Merde. Si ça glisse, ça glisse pas. Ça aussi, c'est un exercice que je te préfère. On est sorti. On est bien sorti. Encore un peu. Putain, sur quoi je m'accroche. Tu sais pourquoi on est sorti? 50 kilos de plus là. Ça va? Ah non, t'as rien pour t'accrocher. Il s'est croûté, hein. Eh ouais. On est dans le champ. Ah, bon.
pas raté. Comment ça va? Parfait. Même pas peur. C'est pas le but, hein? Non, absolument. Bon bah Coralie. Merci. Merci à toi, c'était sympa. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle en premier? La mauvaise. On a presque plus d'essence. Ah, et d'autres? Et la bonne? On a presque plus d'essence. La bonne, c'est qu'il y en a encore un peu. Un petit chou. On est avec Plume. Mais non, mais Caro. Caro. Qui a peur? Est-ce que là ça va? Ouais, t'as vu, on est sous la pluie, hein. Comme ça, tu sais ce que ça fait quand tu as quelqu'un devant toi qui fait la tête à queue. Ça fait peur. C'est agréable. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette. Bon bah conclusion de la journée, c'était vraiment sympa. Et puis bah la prochaine Chamblée, hein. C'était la surprise. Ouais, je devrais pas le dire, ça bon, bah, je le dis pas. Voilà. Je coupe au montage. On coupe. Bah, allez, ciao. Ciao.